dans ta miséricorde, tu m'as guéri de ces maux, de toutes ces plaies qui saignaient. Tu as consolé mon cœur. C'est vrai, je suis dans la joie, car ma vie est transformée par celui qui est la vie, le chemin, la vérité. Tous ceux qui l'ont rencontré ne sont pas restés les mêmes, car sa présence dans nos vies est une source de bonheur. Seigneur, dans ta miséricorde, tu m'as guéri de ces maux, de toutes ces plaies qui saignaient. Tu as consolé mon cœur. C'est vrai, je suis dans la joie, car ma vie est transformée par celui qui est la vie, le chemin, la vérité. Tous ceux qui l'ont rencontré ne sont pas restés les mêmes, car sa présence dans nos vies est une source de bonheur. La présence dans nos vies est une source de bonheur, de joie et de paix. Nous venons tous vers toi avec tous nos problèmes, cherchant la solution. Comme la femme qui saignait durant 12 ans de malade, sa guérison a vu le jour par la foi en Jésus-Christ. Bartimée, fils de Timée, était tous les jours assis sur le bord du chemin, demandant de l'aumône. Mais lorsqu'il a rencontré celui qui dans sa main détient tous les pouvoirs, sa vie avait changé. Il a retrouvé la vue et il n'était plus assis sur le bord du chemin, demandant de l'aumône. Bartimée, fils de Timée, marchait droit sur le chemin, avec Christ qui est la vie, le chemin, la vérité. Jésus, mon sauveur, le sujet de mes louanges, l'objet de ma confiance. Jésus, mon sauveur, je n'aurai plus peur de rien, car je sais que tu es. De ma vie, moi je fais de l'éternel mes délices et ma gloire. Je trouve mon plaisir en lui. Je veux marcher dans sa crainte, obéir à sa parole, observer tous ses préceptes et les mettre en pratique. Oui, mon Dieu, tu es fidèle, fidèle à ta parole. À tous ceux qui viennent à toi, tu les combles des merveilles. Jésus, mon sauveur, le sujet de mes.